6h01. Ce matin, je vous emmène avec moi pour vous présenter ma morning routine. C'est parti. La première chose que je fais chaque matin, c'est de boire un grand verre d'eau. Voire deux. Quand on se lève le matin, on est tous déshydratés, donc c'est important de se réhydrater. Je commence toujours ma journée par mon petit-déj avec des œufs, un fruit, deux tartines avec du beurre de cacahuète et des noix et des amandes. Je mange tous les matins la même chose pour rendre le processus un peu plus facile et poursuivre une bonne alimentation. Je prends jamais mon téléphone le matin. Je commence à l'utiliser vers 7h, mais c'est pour une action bien précise et c'est pas pour aller sur les réseaux. Il est aux alentours de 6h30. Chaque jour après mon petit-déj, je lis pendant 30 minutes. Je voulais incorporer la lecture dans mon quotidien et le meilleur moyen que j'ai trouvé de la mettre, c'est dans ma morning routine. Actuellement, je suis sur le frérot Steve Jobs. 900 pages, mais hyper intéressant. Steve Jobs, il est incroyable. Parfois, pour soulager le stress, il allait tremper ses pieds dans la cuvette des toilettes. Une pratique qui avait le don de dégoûter ses collègues. Il est à peu près 7h. Une fois que j'ai fini de lire, je travaille mon anglais. J'utilise l'appli Mosalingua et je fais ça pendant 5 minutes max par jour. C'est la partie que j'aime le moins, clairement. Et c'est seulement à ce moment-là que je commence à toucher mon téléphone depuis mon réveil. Ouais, là, tu l'as touché. Mosalingua, c'est une appli super qui fonctionne un petit peu comme Anki. C'est-à-dire que ça joue sur le principe de mémorisation active pour retenir encore mieux ce que t'apprends. Tout blab. Luggage, case, luggage. Make a nose. Perfect. Quand je commence à me poser sur mon bureau, on arrive aux alentours de 7h. Je me laisse encore 10 petites minutes pour programmer ma journée et mes objectifs du jour. Voilà, c'est comme ça que se déroule chacune de mes matinées. Inutile d'avoir une morning routine beaucoup trop compliquée où tu fais du yoga, du sport, tu prends une douche froide, tu fais des pompes, après tu lis, après tu travailles ton anglais, après tu manges. Non, il n'y a pas de meilleure morning routine. Chacun a sa morning routine qui lui convient et qui correspond à ses objectifs, à ses attentes et qui lui plaît aussi, c'est hyper important. Pourquoi je me suis créé une morning routine? Aujourd'hui, notre vie, elle est rythmée par un nombre incalculable de choix qu'on effectue au quotidien. Grâce au fait de m'avoir créé une morning routine, le matin, je n'ai plus besoin de faire de choix parce que je sais exactement ce que je vais faire. Ça me permet donc d'avoir encore plus d'énergie pour la suite. En fait, une morning routine, c'est simplement une succession d'habitudes. Au départ, il te faudra un petit peu de temps, peut-être un mois, pour que ça se mette en place, et après, ça ira tout seul. Fais en sorte qu'elle soit simple et qu'elle te donne envie de te lever de ton lit. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !